Bienvenue amis internautes, vous êtes de partout, vous nous suivez, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Votre magazine décrit Actu, qui se donne la largesse de vous décrire différentes actualités de notre pays au niveau national, mais aussi, pourquoi pas, parler des informations qui concernent l'international. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler de cette actualité qui des frères Léconique sur l'affaire Mbukang Alonso avec l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo qui est poursuivi par le ministère public pour différents chefs de détournement. On va analyser cette actualité. Pourquoi ne pas parler de la touche juridique qui existe? Et déjà, pour vous donner quelles sont les retombées sur notamment la compétence de la Cour pénale, pardon, de la Cour constitutionnelle, ainsi donner par rapport à ce qui a été dit lors des différentes instructions de la Cour par rapport à la partie lésée, par rapport à la partie prévenue. Hein, les avocats de la partie prévenue, Matata Ponyo, ont eu à parler de certaines incidences, certaines exceptions par rapport à la procédure. Nous allons en parler. Mais aussi, nous aurons à parler de l'actualité aussi sur cette affaire, une énième incursion des rebelles M23 sur le sol congolais. Nous ne savons pas comment est-ce qu'ils arrivent à pénétrer si facilement nos frontières. Nous allons en parler, nous allons en discuter. Mais je m'en vais déjà vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévision, cette chaîne qui ne cesse de vous donner différentes actualités, différents commentaires et critiques sur notre pays. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Je m'en vais là aussi remercier toute l'équipe technique qui m'accompagne pour arriver chez vous. Merci pour votre fidélité et pour votre indéfectible attention. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, les actualités comme nous les présentons avec cette affaire de Matata Ponyo, affaire Mbukang Alonso, il s'agit ici de parler de l'instruction qui a déjà commencé et nous sommes déjà à la deuxième audience. Mais là, il s'est posé un problème, une exception qui a été soulevée par rapport à la procédure, celle relative à la compétence de la Cour constitutionnelle. Alors, c'est une question épineuse, c'est une question déjà qui a commencé au préalable, vraiment, maintenant, même l'instruction préjuridictionnelle avec les parquets. On ne savait pas si ça serait quel parquet, c'est le parquet près la Cour de cassation ou le parquet près la Cour constitutionnelle. Il s'est posé ces problèmes-là déjà au départ de l'instruction. Et nous avons déjà, sous ces plateaux, parlé de cette question qui consisterait à dire quelle est la juridiction compétente à juger Augustin Matata Ponyo. Alors, nous allons commencer dialectiquement à vous faire voir les prescrits de la loi, mais aussi à parler des avis des doctrinaires sur cette question de la cristallisation de fait. Cristallisation de fait veut dire, il n'y a pas que lorsque Moutassali Likambou, Fewana est comme Libanga, Fewana est comme tel, et vous allez et qu'on change T. Alors est-ce que Moutouana, Fewana est comme Bongo, ou Bakanye Mouibi à ce moment-là, Bakanye Mouibi, et vous allez avoir une compétence personnelle. C'est là où on parle même de la question de privilège des juridictions. Est-ce que Maman Ndunda, ouais, a un privilège de juridiction de juger la présidente de la République. C'est ça ce qu'on appelle privilège des juridictions. Alors il faut comprendre d'abord, il faut partir de cet aspect de choses pour nous permettre d'avoir le méandre qui entoure cette question de la compétence de la Cour pénale et de la Cour constitutionnelle qui doit juger un ex-premier ministre qui a commis de faits
pénaux qui lui sont reprochés. Voilà, voilà. Terrain haute que circonscrit par rapport à l'analyse Nabiso Yalelo. Donc nous sommes en train de parler de cette question de la compétence de la Cour pénale, de la Cour constitutionnelle, excusez-moi, de la Cour constitutionnelle, mais aussi nous allons voir étendre cette question sur la compétence personnelle de la Cour constitutionnelle. Je m'en vais d'abord lire les dispositions pertinentes qui entourent cette question. Il y a compétence, il y a cour constitutionnelle. Vous le savez bien que la cour constitutionnelle et Jijaka, ma matière ou Ezali, na interprétation, il y a constitution. La cour constitutionnelle et Jijaka, ma matière ou Etali, compétence pénale naïe. Cour constitutionnelle pe et Jijaka, ma kambo Etali, ma contentieux judiciaire entre ma juridiction. Ordre union se réunit. Donc, Cour constitutionnelle Azali n'a pas compétence ebele oyo asengeli nango ko juger asengeli nango ko kamba makambo etali ba compétence na ba cour de tout bord. Alors, je m'en vais ici vous lire l'article 163 de la Constitution. Que dit cet article? La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. On dit ici la Cour constitutionnelle, l'article qui suit, la Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour tous les délits d'initié et pour toutes les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Voilà. Base légale, ils ont rendre cour constitutionnelle comme étant juge pénal, il y a premier ministre, il y a président de la République, et ça libre à disposition dans Autotanga. Les articles 163 et les articles 163 et 164 de la Constitution d'Abus. Voilà, ça c'est la base légale. Mais maintenant, la question qui se pose ici, c'est relativement au jugement ou à l'instruction d'un ex-premier ministre ayant commis des faits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Maintenant, c'est ça la question. Total, maintenant, Sikoyo. Même un article, même sur Otalio, qui est plus sur Otalio, la loi OESO de la Cour constitutionnelle, c'est l'article 73, tu verras, là où on est en train de cadrer cette question. Parce qu'on a la même disposition, la loi OESO de la loi de 2015, il y a 15 octobre 2013, pardon, qui parle de la compétence ou de l'organisation et fonctionnement, il y a Cour constitutionnelle. Mais maintenant, sur cette question relative, il y a compétence. Il y a cours constitutionnel sur cette matière. Il faut dire qu'on est ici devant un ex-premier ministre. Comment est-ce que la Cour constitutionnelle qui juge le premier ministre et le président de la République en fonction peut-elle arriver à juger un ex-premier ministre qui a commis des faits à l'occasion ou à l'exercice de ses fonctions? Voilà, maintenant nous allons visiter les cadres de plusieurs doctrinaires. Ici, je vais épingler l'un d'entre eux. Il a parlé de lui par rapport à ses analyses. On va voir en ce qui concerne la procédure pénale du très cher professeur Louzo Lobambi. Sur cette question, il dit ceci. Ici, il sera question de dire par rapport à l'application de la procédure pénale. Je dois vous rappeler que la procédure pénale n'est rien d'autre que notion on a un droit oyo elande la ramakambo kobanda tant bakangi mutu tant muta sale infraction bakangi balande la ina parce que so ba moni que azali reprocher na ba fewana to ba fewana ministère public to ko ba bengaka magistrat debout a monique mutuana makambo tozo reprocher na ezali ya solo a memi mutuana na tribunal to na cour c'est à l'issue na ngonde na onion so pe ko le kanaku te na jugement ko ya yango na ba ko bengaka ngo procédure pénale. C'est ça.
procédure pénale, les règles, les règles qui régissent cette matière-là concernant Kobanda, Nakokangamutute, na jugement, Oyekoya. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut expliquer, procédure pénale à Lingala, pour tout comprendre, place Nini, Nazo Lingato, Tokumapo, to Sende, la quintessence de cette question relative à la compétence de la Cour constitutionnelle. Maintenant, en ce qui concerne la compétence, tout en la compétence matérielle, ils ont infraction, on dénigre ça les mis. Bah le bon, ils allaient pour 5 ans, au temps qu'il y a loi, bah pèsi, montant au boué, bah no boué pour la montagne, bah et logo boué. Tout montagne et logo boué, bah copier ça, bah no boué. Ils ont bien la compétence temporelle. Voilà un peu. Au moins, mutasale infraction na tel nani boye et ko ki ko expirer na tel boye na prescription bouyi. Mais ça peine ba venga ka compétence personnelle. Compétence personnelle. Maintenant dans la compétence personnelle, ezali oyo etali par rapport il y a stature ya moto. Par rapport il y a pouvoir au moto azali na yango bakoki ko jugeye ndenge moko na mutu mususu te par rapport il y a makambo ya sengeli ko yeba par rapport il y a makambo ya sengeli ko sala bakoki ko juge de la même manière que bako juge mutu mususu te. C'est ça la différence. Maintenant dans cette compétence matérielle, pardon, dans cette compétence personnelle, il s'agit ici de parler de cette question au étalé ex-premier ministre ya sengeli ko sala juge. Que dit le professeur Luzo Lobambi en ce qui concerne la question Wana? Il dit ceci. Application aux personnes. Les cas des privilèges des juridictions sont étudiés dans le cours de l'organisation aux compétences. À quel moment ces privilèges des juridictions se déterminent-ils? Est-ce au moment de la commission du fait infractionnel ou au moment de la dépôt, du dépôt pardon, de la plainte? Voilà, c'est ça la grande question. Même le professeur se pose cette question-là. Est-ce que juge ou assigné qu'on a la compétence pour étudier une question et à Moutou Azali n'a privilège de juridiction à cause Azali à cause placé dans le moment la commission des faits pour les cas si précis au lobela juge ou a la compétence qu'on a la juge ou et Azali qui est compétent tant on ne commente pas pour nous aurait commis ces faits parce qu'il faut tout le temps la conditionnelle parce que jusque là il est présumé innocent. Est-ce que c'est le juge qui serait compétent au moment où il aurait commis les infractions ou c'est le juge qui et il y a eu connaissance de ces faits quand il serait sénateur, quand il est devenu sénateur pratiquement ou au dépôt de la plainte ou au début de l'instruction? Voilà les grandes questions qui doivent se poser nous en tant qu'analystes. Tout ce qu'on circonscrit pour tout la qui ça, la magie du droit qui existe en cette matière là, parce que la question de droit, il faut pas que tout le monde s'y prête nager au risque de ne pas faire voir le méandre qui entoure la question, la subtilité qui entoure la question juridique. Ce sont des questions purement techniques. Ils ont fait une analyse aussi technique pour donner des réponses techniques et qu'on permette à tout bas à un aspect moko global sur des faisabilités d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, je m'en vais lire, je continue. Il dit ceci. Ça, c'est le professeur Luzo Lobambi dans son manuel de procédure pénale. Il dit ceci. Devant la juridiction militaire, il est des principes que l'on doit se placer au moment de la commission de l'infraction pour juger de la qualité du prévenu déterminant la compétence du tribunal. Mais quid en matière des privilèges des civils? Il semble que la solution la meilleure soit la suivante. Les privilèges s'appliquent aussi bien en considération de la qualité du justiciable au moment de la commission de l'infraction qu'au moment de sa comparution en justice, puisqu'il s'agit d'un moyen destiné à l'empêcher d'user de sa situation sociale pour faire pression sur les juges. Je l'ai dit l'autre fois, quand nous avons commencé ces émissions ici, je vous l'ai dit. Sur cette question, il y a ma compétence personnelle. Il y a Ndekomato Tapono. Ndekomato Tapono est jugé ici comme un ex-premier ministre.
Alors, il faut déjà dire que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de ces infractions-là. Pourquoi nous le disons? Parce que la Cour constitutionnelle se place au moment de la commission de l'infraction. Voilà. Donc, la Cour constitutionnelle ne juge non seulement le Premier ministre ou le Président de la République en fonction, mais aussi il juge ou elle juge les infractions commises par ses suites, même si ils ne sont plus en fonction. Donc, cela veut dire ceux qui, aux arrêts qui président de la République, ont commettre infraction et que le ministère public ne s'est pas saisi en ce moment-là, est-ce qu'il y a pas, même s'il n'y a pas eu une prescription, la Cour constitutionnelle, ceux qui va me mêler à faire Wana, à Tayo Longwe, elle sera compétente de connaître de cette infraction-là. Est-ce qu'elle connaît? Parce qu'elle s'est mise au moment de la commission de l'infraction. Elle se place au moment où l'infraction a été commise. C'est toute la différence. C'est ça la doctrine. Na autant la doctrine pour vous faire voir comment est-ce que maye oyo banganga ya mayele o balobela na mayetali mibeko. Parce que na ba source de droit, il y a pas seulement la loi. Mais il y a aussi makambo et ça la que loi et loi force nango. Il y en a bah acte, ils ont la jurisprudence, ils appellent nango bah benganga doctrine. Doctrine ils allient bah penser, ils allient makanisi, il y a banganga maël, ils allient copier ça sur certaines matières données pour en copier ça maël et nabango. Alors ici j'ai lu le professeur Luzolo Bambi. Il dit aussi toutefois la législation congolaise s'est forgée une solution. On se place pour déterminer la juridiction compétente, soit au moment de la commission de l'infraction, soit au moment du dépôt de la plainte. Cette dernière hypothèse amène à se poser la question de savoir ce qui doit justifier les privilèges de l'agence. Mais maintenant, quand les avocats de l'ex-premier ministre disent que Ndekoma Tata Ponyo ne peut pas être jugé devant la Cour constitutionnelle, bon, et ça lit ma prétention à Bango, hein? Il ne faut pas tout fustiger en haut, et ça. Ba vie oyo bango bazali kozwa par rapport ya client na bango o bazali boso a prétoire bazolinga ko bimisa client. Il faut dire que la pratique judiciaire, quand on est du côté de la défense, hein, il faut toujours trouver des superfiges pour na koyeba ko bimisa client na yo na kati ya patron azali nango. Voyez un peu. Mais maintenant il faut dire que dans cet aspect de choses, dans cette analyse de ce qui a été dit par les conseils de Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle est compétente. Maintenant, sur cette question-là même de la compétence, on ne peut plus même en discuter parce que la Cour s'est déclarée extrêmement saisie quant à cette question-là et elle se trouve amplement compétente pour connaître de cette question-là. Donc, on ne peut même pas parler de ça. Même la loi, même la Constitution vient réconforter la position de la Cour. Nonobstant les questions préjudicielles, la question préjudicielle, c'est la question qui sera soulevée par la partie, mais la Cour ou bien la juridiction examinée a sa compétence à constatuer en côté. À sa compétence, il y a un statut en montée. Mais je pose la question devant la Cour constitutionnelle, qui est la sommité du droit congolais. Ceux qui ont soulevé ma question préjudicielle, ça sera qui va l'analyser, je ne sais pas. C'est une question de droit qui se pose là. Mais je me dis seulement que sur cette matière ici, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de la question relative aux infractions qui seraient commises par Augustin Matata Ponyo, ex-premier ministre, et ses co-auteurs, mais aussi ses complices. Voilà. Je m'en vais aussi lire quand il parle de la question des immunités. L'on peut affirmer que les immunités et privilèges du président de la République et du premier ministre se trouvent consacrés dans la constitution actuelle,
L'article 163 spécifie que c'est la Cour constitutionnelle qui sera le juge pénal de ces deux hautes personnalités de l'État. L'on peut aussi affirmer que les membres du gouvernement et les parlementaires jouissent de l'inviolabilité, car en effet la procédure de levée des immunités est encore consacrée. Donc, dit que, comme le dit cette disposition, c'est seulement les premiers ministres et les présidents de la République en fonction qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle, je pense que c'est faire fausse route. Ce n'est pas bien lire ces dispositions pertinentes et de la Constitution et de la loi qui parle, qui organise la Cour constitutionnelle. Parce que si vous prenez la symbiose, si vous prenez l'analyse succincte, il y a la loi Wana, il y en a la constitution, vous aurez à déterminer, vous allez comprendre la quintessence Ezali co-résider en cette matière, il y a maétali compétence personnelle, il y a cour constitutionnelle. Parce qu'il s'agit ici d'une application aux personnes, parce que l'application peut être dans cadre ou étalé procédure pénale, l'application peut être dans espace, l'application peut être aussi dans temps. Mais en ce qui concerne l'application personnelle liée à la règle ou à la procédure pénale, et ça qu'on applique dans la personne, on se place mingi na commission de l'infraction. On se place au moment où l'infraction a été commise. Donc, ton zongi maintenant, en 2012, voilà, au moment où on était en train de conclure les accords, c'est à ce moment-là que la Cour constitutionnelle a mis Zong ici. Voilà. Voilà la fiction juridique qui réside en cette matière. Fiction, il n'y a pas que ma canne ici. Hein? Donc, imagination et droit. Imagination et droit, ils ont mis ma Cour constitutionnelle et l'ont lié comme juge municipal. Ils ont ici. Au moment de la commission des faits, au moment où ma tête pour les acquis justiciables, la Cour constitutionnelle. Donc, on se place à la commission de l'infraction. On se place à la commission de l'infraction. C'est toute la magie du droit qui réside dans la question OYO. Donc, il ne faut pas seulement dire que c'est le président de la République et le premier ministre en fonction qui sont justiciables dans la Cour constitutionnelle, mais aussi les ex Premier ministre, parce qu'on se place à la commission. Surtout, ici, nous sommes en train de parler de la compétence pénale. C'est sur la question de la compétence pénale. La compétence pénale, les gens ont une infraction. Tant l'infraction est commise, il y a un ordre social qui est troublé. Alors, l'État doit réguler, doit régulariser l'ordre public ou Ezaki bousillé ou Ezaki bafoué. C'est ça maintenant ce qu'on appelle la sanction. Maintenant, le droit pénal, la procédure pénale, ils ont hiérarchisé. Ils ont dit là bas instance nango ou et ça la raqueur et l'un de là. Moutoussoka commettre infraction. Ti ba comme maïe, sauf ba monique Azali. Présumé coupable, bah on l'a délayé, t'as recommencé à inculper, on a tout ça dans un parquet, t'as un relou moins inculpé, après bah comme ici est prévenu, on a commis la juridiction, si ce qui bah monier Azali coupable, bah qu'on condamné. Voilà la procédure pénale. Mais maintenant, cette procédure pénale nous amène à dire, nous amène à vous faire voir que Nekomata Taponio Azali jugé comme ex-premier ministre. Et la loi, par rapport à ce que nous avons fait comme analyse, nous réconforte par rapport à cet aspect de choses. Il faut dire ici que Mata Taponio n'est pas jugé ici comme premier ministre en fonction, mais comme ex-premier ministre. Et dans le cas d'espèce, on parle de la position que se met la Cour. La Cour se met dans la position de la commission de l'infraction. Au moment de la commission de l'infraction. Et non du dépôt de la plainte ou du commencement de l'instruction parce que le ministère public peut se saisir d'office. Voilà. Voilà le sens que nous devons donner en cette démarche. Il y a cour constitutionnelle où ils allaient connaître, où ils allaient juger des combattants pour des faits graves où est allé Marama détournement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été dilapidé en cette matière. Il y a Bukangalonzo, tout le monde à l'État et Bima va contribuable à Congo. Nous avons donné de notre argent parce que c'est notre argent. Alors, comme c'est notre argent, il faut vraiment donner du crédit à Mbongo.
C'est le peuple congolais qui en souffre aujourd'hui. On a beaucoup dépensé pour que Bukangalo nzone za la haut et za li lelo, mais voilà ce qui nous a produit ba autorité na biso. C'est regrettable ndenge makambo za li kotambola na mboka na biso. C'est pourquoi quand la cour constitutionnelle ezali komema makambo, je salue là comment parce que vous devez savoir que cour constitutionnelle ezali sommité. C'est pourquoi même la constitution nango okomona ke bazwaka ba professeur bato basala musala na oyo tali avocature bazala expérience makasi bazwaka ba magistrat ya kala. Donc c'est pour faire une certaine symbiose pour la relaxer force et singuli koza na cour constitutionnelle. Donc quand tu viens là devant cour constitutionnelle ko yana ba dilatoire. Ma dilateur est allé, hein? Moi, bah, bilo ka mike mike, ou bah, avocat, bah, zala ranango, pour na kolakisa, liboso ya cour, liboso ya tribunal, pour na kolia moi temps, pour na ko permettre bango, bah, étoffé, nani na bango. Donc, c'est ça. Mais devant la cour, il faut éviter ça, parce que vous êtes en train de perdre inutilement le temps. Allez droit au but, défendez votre client quand il sera le moment, mais dans l'instruction, donnez des éléments qui peuvent dissuader le juge par rapport à cette démarche là. Au lieu qu'on kené ba question moro boza lié comme même la bino gain costé. Et comme même la bino gain costé très cher confrère. Là je m'adresse na ba conseil ya ndeko matata pono. Le plus important ici c'est de bien étoffer votre instruction pour même bino na bino une bonne plaidoirie. Ne vous figez pas na ba question ezali Zali n'a sens moroté parce que sur cette question là, la loi a déjà réglé Maramotali au Zali commission des faits. On se met soit à la commission des faits, soit au dépôt de la plainte. Si la cour se trouve dans la commission des faits, elle est amplement compétente pour connaître de cette question au Zali co-jugé ex-premier ministre. Là, on se met maintenant dans la peau du premier ministre Matata Pono qui aurait commis des faits qui lui sont reprochés plus particulièrement. Ils avaient fait un détournement. Voilà comment est-ce que nous devons nager. Na ou etali, question wana et analyse ya Matata Pono ou esengeli kozala bien élucidé, hein, au risque de faire fausse route. Parce que nous avons dit l'autre fois que nous allons nous mettre à votre disposition pour vous apporter certaines analyses en cette question ou etali makambo ou et de kanaki ou isoleka nakati ya cour constitutionnelle sur l'affaire Bukangalonzo. Nous serons là toujours disponibles pour vous décrire cette actualité, pour vous donner notre touche juridique sur l'appréciation sur cette analyse, hein, circonscrite nao etali makambo ya affaire Bukangalonzo etali makambo ya Matata Pono. C'est ce qui nous amène à dire que le Congo ezosenga na biso tozala très fort et ezosenga biso tozala inu pour que tous les cas combattre de la même manière que nous sommes en train de combattre ce qui nous détruise financièrement. C'est de la même manière que nous devons combattre ce qui nous détruise physiquement, ce qui nous attaque, qui attaque notre sécurité. Parce qu'aujourd'hui, Tozolobela, incursion, unième incursion, il y a bah, rebelle M23 est quotidien dans Mbokao. Depuis le dimanche, on parle là de incursion à M23. Bah, quand ils sont en Mboka, ils ont semé désolation na chef ya population, surtout au niveau de Rutshuru na Chunja kuna. Mais où allons-nous? Nous devons nous poser cette question. Où allons-nous? Tozo kende wapi? Quelle est notre place par rapport à cette question liée à la sécurité? Nous sommes en plein état de siège. Je ne sais pas, nos forces armées, au-delà de ce qu'ils ont fait, aurons-nous une armée qui sera là seulement pour riposter, ou aurons-nous une armée qui sera là aussi pour attaquer? Parce que nous sommes toujours à la défensive. Ça dénote une certaine largesse, une certaine déliquescence autour de ça. Comment est-ce que l'armée Nabisso, au cours d'un certain moment, ils allaient causala pénétrer de la manière la plus facile, boy. Abouka voir, bah rebelle, bah outo kota, boy, pa koti, bah salon nous sommes avec. Les lope, te okoyoro, bah M23, ils ont mis les sous. Mais où allons-nous? Sur cette question, où allons-nous? Le gouvernement, qu'est-ce fait le gouvernement? Qu'est-ce fait le gouvernement? Qu'est-ce fait notre armée?
C'est une armée à la défensive ou c'est une armée qui doit toujours être là pour nous barricader la velléité de l'ennemi. Parce qu'on a toujours comme l'impression qu'ils ont accès libre à Kokota et c'est après que Nibisotoza s'est réveillé. C'est après que Nibisotoza s'est réveillé. Le gouvernement doit prendre cette question et sur le plan interne et sur le plan externe avec beaucoup de préoccupations. Parce que c'est une question vitale. Ils ont touché la frontière en Abisson. Même en Ouganda, même le Rwanda, ils allaient s'incerter. Je l'ai dit. Il faut revoir l'accord qu'ils ont signé dans le Rwanda. Parce que ces rebelles passent par ces pays-là. Et comme ils passent par ces pays-là, notre gouvernement doit remettre en cause sincérité et l'État. Ils doivent remettre en cause. Sincérité. Ouganda, Rwanda, ils ont sincérité. Parce que ces rebelles-là, ils viennent de là. Il donne accès à la rébellion pour que la côte, pour que il ressemble désolation au chef du peuple Nabisso. Le gouvernement doit être vigilant. Fini la politique de complaisance. S'il faut agir, il faut agir. Il ne faut pas seulement que le bâtiment soit repoussé dans le nord, mais repoussé pour que le bâtiment soit là. Il faut exterminer dans le nord. Qu'on pousse jusqu'à l'air dernier retranchant pour qu'on pense à solution dans les multiples préoccupations. Il y a un peu de temps. Le peuple souffre. Ils ont raté à chaque jour. Ça fait pas bon. On commence à voir cette culture-là à s'habituer des morts, à s'habituer à ce qu'il y a des gens qui sont des morts, à ce qu'il y a des. Apparemment, le peuple congolais a commis qu'on soit habitude ou anaya ko mais ça n'a pas eu caractère. Ben ne connaît pas son coup en est. Surtout que nous sommes en pleine période, il y a état de siège. Le gouvernement ne doit pas courber les chines comme ça. Il faut aller plus loin pour donner des réponses, pour riposter de la manière la plus forte. Pour que les rebelles ne sentir que RDC tokoki kozonga sima bongote pour que les rebelles ils sont à chaque fois le lot aux M23 ba bengana bango bazongi l'autre fois toza ki na ba ou ba bengai so ba cap 26 wana. Ils ont fait des incursions. Babomi Batou, de l'autre côté, tout ça, Adef Nalou, on va semer des ordres dans la ville à Beni, comme pas possible. Il y a des gens qui nous ont appelés à Beni, il y a des gens qui nous appellent à Goma. C'est pitoyable. C'est pitoyable pour que Batouba vivre dans la sphère Wana, pour que Batouba vivre dans le niveau d'insécurité à Bongo. Quels sont les moyens qui ont été disponibilisés pour l'état de siège? Quels sont les moyens qui ont été disponibilisés pour mettre fin à ces tueries? On parle là d'un détournement à bas fond et à un niveau armé. Ministre de la Défense, que faites-vous? S'il faut sanctionner ces généraux, s'il faut sanctionner Bango, il faut que sanctionner le président de la République, il faut prendre vos responsabilités parce que ce sont des questions vitales. Vous avez aussi Mamboka. Il ne faut pas tout ça avec beaucoup de complaisance. Parce que on risque beaucoup. Tous risquent de perdre. Comment est-ce que tu vois la frontière moro et Zarabat? Et vous prenez la largesse de nous faire des communiqués. Oh non, on a repoussé. Vous avez repoussé pour quelle finalité? Est-ce que repousser, c'est ça la finalité? Est-ce que nous avons besoin de repousser? Non, nous avons besoin d'entendre que vous avez neutralisé. Ça, c'est notre besoin. Nous ne voulons pas que vous avez repoussé. Repoussé pour quelle finalité? Quand vous repoussez, c'est-à-dire qu'ils vont revenir. Repousser pour revenir, ce n'est pas ça la solution. Repousser pour neutraliser, c'est ça la solution. Si vous n'arrivez pas à donner la sécurité comme il faut, démissionnez. Le règlement militaire est clair. Démissionnez. On va trouver des gens. Il y a des jeunes ici.
Il y a des gens qui sont capables, dans notre armée, qui sont capables de repousser. Qui sont capables, on a eu la preuve dans ces pays. Il y a eu des gens comme Mamadou Ndala. Mamadou Ndala n'était pas un général. Mamadou Ndala n'était pas général. C'était un colonel. Mais c'est même après qu'il est devenu colonel. Mais c'était un grand homme de troupes. C'était un grand leader. Un grand leader qui a su amener les troupes au front, qui a repoussé les velléités de l'ennemi. Et aujourd'hui, Tozana a témoignage à Malamou. On a de bons témoignages sur cet homme-là, paix à son âme. C'est quelqu'un qui a su combattre l'ennemi. Aujourd'hui, on ne sent pas Moutazane la carrue. Il y a Mamadou Ndala. Ces généraux-là, ces colonels, Basso Salani. Mbongo Basso disponibilisé. Et ce qui est dans ma bengaba. C'est pourquoi je disais l'autre fois, c'est une question de conscience. Une question de patriotisme. J'ai vu des gens festoyer par rapport à ba bloc na bango politique. Mais Basso c'est pela parce que ba rebelle Basso côté à Bisso. Comment les Congolais peuvent perdre sans soin un patriotisme? Parce que Ozali Olingi échec y a Tshisekedi, Ozali ko c'est pela parce que ba rebelle ba côté. Non. Ayons un peu une certaine décence. Faisons une politique intelligencée et non des politiques qui Ozali ko latisa en toza nango. Non. Parce que aux abords politiques, mon côté, n'a pas de quoi baser le pouvoir quand les rebelles entrent aux OCP. Non, il faut essayer de faire ça, mais ma passe. Parce que c'est notre sol qui est en danger. Bato, bazo, bouman, les abandonnés, ce sont des Congolais comme nous. Nous avons des gens, nous avons des frères ici, nous avons des amis ici à Kinshasa qui ont des familles, ma famille, la bango, baza, qu'on a à l'est du pays, qui souffrent. Nous, quel serait notre plaisir tant que nous avons un plaisir? Nous n'aurons aucun plaisir. Et méfiez-vous des Congolais au Baza Koleka, à la longueur de journée, dire que c'est un échec toujours. Non! Nous n'aurons aucun plaisir. Pour nous en tant que Congolais, il y a Kolobela, Makamu Etali, sécurité à Banambo Kanabiso, sécurité à Kongomani, au Bazaï qui souffre, Bazaï qui couffre, Mokona Mokolo. Nous n'aurons aucun plaisir. Et il faut toujours avec cette attitude, tant Kolobela, question on a, parce que c'est une question vitale, où ils ont Simba Mokanabiso. Ils ont Simba Mokanabiso. Et nous, en tant que population, nous, en tant que peuple congolais, nous n'avons qu'à dire halte, photo, cesser. Il faut cesser, guerre au Nord, l'Est, il y a pays, il faut cesser, état de siège. Il faut, comment plus la vigueur, il y a ma casse pour qu'on neutralise l'ennemi au Azo, qu'on en tebiso depuis des décennies. Voilà, c'est vraiment notre ras-le-bol, c'était vraiment notre coup de torche par rapport à l'actualité de ce jour. On a eu à parler de cette question relative au procès Bukangalonzo avec l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Nous avons eu là à peindre les tableaux, relativement à ce qui concerne le processus. Le processus judiciaire, nous avons parlé là de la procédure pénale, des principes qui doivent gouverner les différents procès. Nous sommes là, nous sommes en train d'attendre avec beaucoup de patience quelle sera l'issue de ces procès, quel sera les verdicts que va prendre la Cour constitutionnelle. Nous sommes impatients d'attendre ça parce que c'est une question qui nous tient en haleine. Nous avons ici à parler de cette question qui touche l'armée, qui touche notre sécurité nationale, qui touche notre avenir collectif. Ici, nous avons fait un ras-le-bol général quant à ce qui concerne notre sécurité, quant à ce qui concerne la guerre à l'Est, quant à ce qui concerne les incursions multiples qui se multiplient de jour en jour avec les groupes armés, rebelles et tout autre qui viennent, qui entrent, qui sortent dans notre territoire. Ça reste une certaine désolation, désolation quasi totale par rapport à ce qui reste, par rapport à ce qui existe dans le chef de la population
congolaise. Merci, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous avez été nombreux en train de nous suivre de partout. Vous êtes à l'extérieur du pays. Vous êtes ici à Kinshasa. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Congo Live Télévision. N'oubliez pas de liker, pourquoi pas commenter. Dites-nous ce qui est fait, des bons ou des mauvais. Et n'oubliez pas aussi de nous encourager parce que nous avons besoin de ça pour nous permettre d'avancer, de continuer avec ce que nous sommes en train de vous produire comme travail. Nous ne lasserons pas de vous être fidèles, de venir ici pour vous donner nos analyses, nous vous donner ce que nous avons le plus, c'est d'échanger entre nous, entre Congolais, parce que nous avons notre Congo, notre mère patrie, c'est notre mère patrie, notre pays à nous tous, et ça nous appelle beaucoup de sens de patriotisme pour que nous puissions avancer. Merci pour votre fidélité, nous vous disons déjà bonne journée déjà pour aujourd'hui, portez-vous bien, à tantôt, merci beaucoup.